Mieux paré pour conquérir des victoires plus grandes, le Zoom Zoom Vélo Club l'est désormais grâce à MTN. Fidèle à son idéal qui est d'accomplir sa responsabilité sociale pour l'épanouissement et le développement des communautés, MTN a offert au club cycliste de l'Ouémé deux jeux de maillots flambant neufs. La réception du don s'est faite dans les locaux du réseau JSM en présence du directeur général et de ses collaborateurs. Occasion pour Nicolas Gomez, directeur du service corporate et président de la fondation MTN, de rappeler les motivations de ce soutien. Nous avons été approchés par M. Azoumé, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui est un monsieur d'une grande célébrité. Et nous avons aimé son initiative de créer ce club depuis 19 ans et de pouvoir apporter le développement qu'il faut pour le cyclisme au Bénin. Et nous avons beaucoup aimé son projet, nous avons aimé ce qu'il fait pour le cyclisme. Et cette équipe de jeunes très enthousiastes qui a gagné énormément de trophées, tout cela nous plaît. Nous avons donc décidé de les accompagner et de leur donner un petit coup de main. L'initiative de Romuald Razoumé est vieille d'une vingtaine d'années. Elle réunit autour du vélo des jeunes passionnés par ce sport de maintien et d'endurance. Le geste de MTN fait mieux que consacrer les actions du club et c'est à juste titre que son président le salue. Nous sommes venus dire merci à MTN parce que ça fait depuis 18 ans, 19 ans qu'on fait des efforts pour le cyclisme au Bénin et des efforts qui ont toujours été handicapés par certaines mauvaises volontés. Mais nous avons voulu toujours aller de l'avant et MTN nous a accompagnés et c'est normal qu'on remercie MTN. Une reconnaissance exprimée par les coureurs du Zoom Zoom Vélo Club. C'est un grand geste. C'est du jamais vu dans le cyclisme béninois. On n'a jamais vu un tel geste ici au Bénin. À part MTN, on a plus vu un sponsor du genre. Donc nous tenons à le remercier sincèrement. Armé, il ne reste plus à ses conquérants qu'à toucher les sommets.